Bonjour tout le monde. Oh, j'ai la barbe encore en vrac. Bon, c'est une barbe sauvage. Salut Jewan, salut à toi, j'arrive. Football. Football, football. Alors. Ouh. Bah ça, ça caille. Hein. Vache. Bon, on est parti. On est à Brasilia. La capitale. La capitale du. La capitale du Brésil. Et on va aujourd'hui faire une. Bah, on va vers Rio de Janeiro. On va à Rio de Janeiro, mais on va le faire en deux étapes, parce que là, ça nous fait déjà un petit vol de 2h20 jusqu'à Belo Horizonte. Je sais pas comment ça se prononce, j'ai pas regardé. Et la semaine prochaine, on fera la deuxième partie qui sera jusqu'à Rio de Janeiro. Salut Loli Trolli. Ouais, il fait froid, ouais. Ouais, la fiche, elle est sympa. Football. Football. Et le Brésil, c'est le pays du football. Alors, bon, le chemin, bon, on va avoir un vor qui va, qui peut éventuellement nous pousser un peu. Il n'est pas sur la ligne, mais bon, on va avoir une balise à Paracatu qui est sur 300. Et puis après, ben, on va essayer de se trouver le terrain de. Joao Pinheiro. Là, on va avoir un joli petit représa de Tres Marias. Tres Marias. Les trois maris. Alors, est-ce que c'est des maris Pop, pop. En attendant, ici, il y a un petit patelin Morada Nova de Minas. Et puis après, ben, on aura une longue période avant d'arriver à Belo Horizonte. Il y a deux terrains. Alors j'ai choisi le plus petit. J'ai un peu regardé parce que j'ai été télécharger les scènes sur internet. Et la piste est très courte. J'avais corrigé la fiche pour mettre mes termes. J'ai pas fait gaffe. Ah non, j'ai. Ah, j'ai pas. J'ai récupéré. C'est l'ancienne que j'ai récupérée. C'est écrit. C'est toujours écrit football. Ah. Elle est sympa l'affiche. C'est pas la dernière. Alors attends. J'espère que je vais pas planter mon OBS. Parce que là, ma machine, elle est chargée. Hein. Ah ouais, ok. Aïe, aïe, aïe. Je vais la récupérer. Hop, je la mets là. Hop. Hop. Et donc ça. Ça, je l'enlève. Ça, c'est bon. Ça va être tout bon. On va y arriver. Hein. Il n'y a pas de souci. On a tout notre temps. Faudrait pas qu'on traîne quand même. Voilà, la nouvelle affiche, la dernière. Donc, il est temps de jouer au football. Ah, bravo. Hein. Bravo, 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 bande de petits voyous. Salut, Clampin. Et bon courage pour le boulot. Alors, j'ai donc pris le terrain le plus petit, puisqu'on essaye de payer le moins cher de taxes d'atterrissage. On va supposer
que le terrain le plus petit, c'est le terrain où on paye le moins de taxes. J'ai fait un véritable bazar sur mon truc. Donc, par contre, la piste est courte, elle fait 1000 mètres. C'est complètement entouré de... Bah, c'est de la ville. C'est de la folie. Celui-là est guère mieux au niveau environnement. Hein. Mais bon, Pampula. Donc, on va aller à Carlos Prates. Alors, dans cette série, on n'est pas trop pour suivre strictement hein, la réalité. Attends, celle de Rio. Va regarder le thermomètre, ouais, fait un peu frais, seulement 22 degrés. Et encore là, là c'est mieux, on ira voir la météo tout à l'heure. Hein. Donc, ici on a donc Pampula, et on a notre petit terrain, Carlos Prates, qui est juste là, piste 0927. Donc, Entrada, je connais pas le portugais, mais je pense que c'est l'entrée. Et Saïda, je pense que c'est la sortie. Donc, Entrada, il faut essayer de venir par le sud. Et puis, on s'intègre directement en vente arrière, en milieu de vente arrière, soit pour la 27, soit pour la 09. Donc, on essaiera de se faire ça, si c'est possible. Hein. Aeronaves M. Aproxima Chao Para Pista 27. Deverao Iniciar Curva Base. Ah, la base, la base, la base. En fait, c'est complètement compréhensible. Antes do Traves do Cemeterio da Paz. Cemeterio da Paz, c'est le cimetière. Alors, da Paz, c'est la paix. Le cimetière de la paix. Donc, les aéronefs qui veulent atterrir sur la piste 27 devront initier un virage en base, je suppose, un curva virage en base, avant d'être avant d'être travers le cimetière. Donc il faut pas aller et avant, juste avant, ils disent que il faut éviter le secteur nord pour pas interférer avec l'aéroport de Pampula. Hein, ici c'est le petit aéroport pour l'aviation générale, et là c'est le gros aéroport pour les liners. Bon, allez, on se garde ça sous le coude. Salut Mika. Salut Shinchi, salut à tous ceux qui arrivent. Installez-vous bien, prenez quelques cacahuètes. Vous pouvez commencer à... commencer à vous installer dans l'avion. Voilà. Il y a de la place. Il n'y a pas de ceinture. Non, c'est parce que le gars qui a modélisé le truc, il les a pas représentés, mais bien sûr qu'il y a des ceintures. Hein. Et puis on a notre cargaison, des cacahuètes, des carottes, et puis des caisses, ça s'est effacé. Je sais pas, on a récupéré des caisses en Guadeloupe et ça s'est effacé. Alors J1 est optimiste, il nous dit que si on est trop long à l'atterrissage, on aura le cimetière. Si on atterrit en 09. Alors, bah justement, tiens, on va aller voir la météo. Alors, Brasilia, c'est ici... Fort du 0,70 à 10 nœuds, variable, Cavoc, donc pas de nuages, 29 degrés. Qu'est-ce qu'a dit 22 degrés là? QNH 1020. Et Belo Horizonte, il n'y a pas beaucoup de stations entre les deux. Hein. Monte Claros, c'est épars à 3500 pieds. Ici c'est Cavoc. Cavoc. Et à Belo Horizonte, c'est bonne visibilité, vent du 0,30 à 8 nœuds. Épars à 3000 pieds, 24 degrés. Il fait plus froid à Belo Horizonte. Ah, 22 degrés chez toi, attends. Chez moi, ça doit cailler, hein, parce qu'il pleut. Enfin, quoique ma femme est sortie tout à l'heure, elle m'a dit il fait pas froid, mais c'est super humide, quoi. Du coup... pourtant, J1 dit, pourtant j'ai fait un effort sur la fiche pour faire monter la température. Et tu vois la fiche de Brasilia. Hop. 29 degrés. Hop. 22 degrés. Voilà.
Bon, donc c'est pas mal. Donc c'est vendu 0,30 à 8 nœuds. Ça, je le coupe. Oh, pardon, mademoiselle. Vendu 0,30, 0,30, 0,30. On va atterrir sur la 0,9. Hein. Donc, il va falloir faire attention, puisque, en effet, si on va trop loin, c'est pas sur le rond-point qu'on va finir, mais... Oh, c'est Mitterio d'Apaz. En fait, moi, je ne sais plus la température qu'il fait à l'extérieur, parce que j'avais une sonde, et le petit boîtier il a grillé. Il, à force de gel et de froid répété, il a pas aimé ça. Bon, donc on s'est fait le... comme d'hab, c'est rempli, hein, PKT 300, pop, 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 les fréquences qui vont bien. Le temps de vol, c'est 138, donc ça fait 1h18, 1h20 de vol. Donc on va y aller tranquillou, tranquillou, peinard. Oh, il y a quand même pas un camion qui va nous rentrer dedans là. Ah, oh bah si. Oh, bah pousse, hein, mon gars. Si t'as envie de passer, tu pousses, hein. Et déjà qu'on va encore se manger un pylône au départ. Un pylône et. Ah, oh bah, ouais, pète-nous les hélices, hein. Voyou. Voyou. Donc on va pas ne faire que se péter un pylône, on va aussi se péter un hangar, hein, je pense. Schlag. Pop, pop. 29 degrés, c'est chaud. Hein. Pop, pop, pop. Ouch. Qui a fait ça? Et merci Miko. Pas vu le message par contre. Il y avait un message avec. Faut que j'attende qu'il s'affiche dans le chat. Ça y est, mon... Ça y est, commandant, j'ai mon billet en route. Merci, c'est très gentil, Mika. Un gros gros bisou, merci pour le soutien, pour la générosité. Du coup, on va se mettre en route, hein. On est obligé là. Puis on va essayer d'éviter le cimetière à l'arrivée. Ça sera le bonus. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que ça vous a pas claqué les oreilles. Pendant quelques secondes, j'ai plus rien vu. Elle est plein de cœur aussi, hein, Mika. Ouh, enfin, j'arrive pas à me réchauffer, moi. Allez. Oh, ton, 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 ton. Oh Mika, tu frappes fort, t'as offert un abonnement à Shinchi Panda. Un gros bec, comme on dit en Picardie. Et merci pour elle. Il me manquait sa carotte. Carotte d'or. Tchoup, tchoup. Allez. On met la batterie. Beacon. On va faire rugir les moteurs. Fuel. On en a peut-être un peu beaucoup là. L'autre coup, je sais plus ce que j'avais craint. J'avais chargé à fond. C'est pas ça que je voulais faire. C'est régler masse et centrage. Ouais, on avait chargé à fond. Là, 3 heures de vol, c'est largement suffisant. Normalement, faut faire les calculs. Faut faire les calculs et tout ça, mais bon. Alors, allez où l'essence? Hop, c'est bon. Réchauffe carbu. F10 pour la réchauffe. F9 en normal. Volet de capot. Hop, ouvert. Oh, ouvert. Le Radio Master, nous allons le couper. Contrôle de vol. Alors, gouverne de direction, gouverne de profondeur, aileron. Hop, c'est tout. Altimètre.
Est-ce qu'il y a un... Il y a un Atis à Brasilia. On va l'écouter, hein. Il est sur 127 800. On aura la pression. Donc la pression, faut pas la subir. Hein. Ok, je sais, c'est naze. Faut la boire. Du coup, faut que j'allume le Radio Master, sinon j'aurai pas la tisse. Donc, Brasilia, présidente Kubic, information papa. Vent du 0,90 à 9 nœuds, visibilité 10, ciel clair, température 24 degrés. Tiens, il annonce que 24 degrés lui. Altimètre 3012. Le problème, c'est qu'il me l'affiche en. Ah, ben oui, ça tombe bien, puisque vu que c'est un avion anglais, enfin américain, il est en 3012. Et puis, bah, il est pas loin d'être bon. Hein. 3012. Normalement, je suis censé être à 3400 pieds. Oh là, t'es un peu. 3400, c'est plutôt ici. Hein. Hop, voilà. Et tous en Picardie. Un avion impérialiste. Bientôt, on va aller faire un petit tour en Picardie. Hein. Et je vous ai rien dit. Donc là, j'ai réglé le QNH. On va recouper. On va couper la tisse parce qu'on n'en veut plus. Tais-toi. Je recoupe le Radio Master et ben, on va pouvoir démarrer le bousin. Donc on démarre par la droite, on lui met, on allume la pompe de fuel, on met un petit peu de gaz, hélice plein petit pas, mixture plein riche, magnéto 1 plus 2, primeur petit coup et c'est bon, le moteur tourne. La pression d'huile, elle est ok, je l'ai mis à 1000 tours. 1000 tours, c'est ici, hein. La pression d'huile, c'est dans le vert, c'est ok. On branche l'alternateur et on fait la même chose pour le suivant. J'ai compris. C'est dangereux de ne plus afficher. Hein. Mais bon, dans la vraie vie, il n'y a personne qui te dit ouais, ton gyro n'est pas calé. Hop, un petit coup de dé. Ça évite d'avoir. On est plein ouest là. Donc 270. La pression d'huile, elle est ok. On met ça. Inverteur. On allume la radio. On allume. Le feu de taxi. On coupe les pompes. On va mettre un cran de volée. On a bien l'indicateur qu'on est à un cran. Et on va pouvoir partir. Et donc là, on va se manger. Donc, vendu. Vendu 92, vendu 0,92 à 9 nœuds. Alors on va décoller de la 14. Hein. Alors au niveau taxi, bah faut qu'on parte par là. On aille remonter là-bas, hein, puisqu'ici. Bon ben on va essayer de pas se manger le. C'est impossible hein, de pas se le manger là. Il y aurait bien la technique de le faire tourner sur lui-même en mettant de la pêche que sur le moteur gauche. Alors il faudrait bloquer la roue droite avec le frein, mais comme j'ai pas de pédalier, je peux pas le faire.
Donc on va le faire à l'arrache et puis c'est tout. On va pas regarder pendant ce moment-là. Ah, c'est trop horrible, on regarde pas. Heureusement les bâtiments sont pas solides quoi. On va essayer de pas se taper le petit jet. C'est bon, ça passe. Donc on va vers la piste 14, hein. On est sur le taxi Golf. Encore des frais. Pas pour acheter tout le DC3, faut juste changer une aile. Vous avez vu la largeur du bousin, hein. Bon, normalement ils nous auraient pas garé là, hein. Ou pas dans ce sens là, hein, surtout. Donner un décédron en plus. Pas beaucoup d'avions sur cette scène. Ah si, il y en a quelques-uns là. Il y a un petit Cessna. Et derrière le hangar. Ah oui, il était bien caché. Bon, on va revenir sur la piste, sur le taxi, parce que... Ah, on fait l'andouille et tout, et puis voilà ce qui arrive. Hein. Salut Edgy. C'est bon, tu peux encore monter dans l'avion. Par contre, bon, va falloir, on ouvre la porte en vitesse, puis faut sauter quoi. Oh là là, il y a le mur anti-bruit là. Ou juste. On va se monter un peu sur notre siège pour pas louper le virage. On freine un peu. Rien, hein. On voit absolument rien. On est où là? Ah ben pile arrêté au point d'arrêt. Donc normalement on fait les essais moteurs, tout ça. Nous on va se faire un petit briefing départ. On va décoller donc de la 14. Ben, on part par là et puis on va rejoindre donc sur le bord de. Brasilia, sur 116-30, on va se mettre la radiale 171, comme ça on la suivra en parallèle jusqu'à ce qu'on capte le 300. Donc, j'ai dit combien ? 116-30. Voilà, on le capte. Donc lui, on veut la radiale 171. Voilà. Et sur la DF, on veut le 300. Voilà. Donc pour l'instant, on le capte toujours pas. Hein. Ça sera l'aiguille numéro 1. On a mis un cran de volée.
va regarder comme ça. Bon, le décollage, mixture plein riche, ouais, hélice plein petit pas, compensateur c'est ok, volet on a mis un cran, phare de taxi on le coupe et on met le phare d'atterrissage, on met le chauffage pitot et on remet les pompes. Donc on va les aligner, on prendra un chrono et ça sera nickel. Ah oui, attachez vos ceintures. Ah. On doit être dans l'herbe là. Oh vache. Allez, on revient au milieu. Voilà, 1000 tours, on recale le gyro, no smoking, attachez vos ceintures, et on est parti, on fait un top départ, 15h30, donc il est 13h30 Zulu. Et on est parti. Surtout que là on n'a pas ressorti le marchepied. Hein. Il y a des arbres qui ont l'air cool là-bas. Vitesse 80 nœuds. Allez, on décolle. Bizarre un truc. Ah oui. On rentre le train. Allez, on monte un peu, ça sera mieux. On a décollé à 3400, à 3700, on peut rentrer les volets. Alors on est à 3700, on rentre un cran de volet. Allez, on tourne à droite. Et on va au cap 171. On en profite pour couper les pompes, couper le landing. On va allumer les feux de navigation et l'anticollision. Et ça sera bien. Exploser le 170. Alors il fait super beau. Enfin, ils annonçaient Kavok, mais là il y a des nuages visiblement. C'est bizarre. On va monter quand même. On va quand même voler au 180 pour aller chercher la radiale. Pourvu qu'ils coupent pas les moteurs. Ouais, ça serait ballot. Hein. Je t'avais vu, Christo. C'était bonjour. Alors on est à combien là? 5000 pieds. Est-ce que j'ai rentré Ouais, j'ai rentré les volets. C'est bon. On va voler à 180 pour récupérer la...
essayer de récupérer la radiale. Qui va bien. Bon, ben... Ah, je vais surtout bloquer les... Pac. Et on va se mettre en vitesse de croisière. Donc 2250 tours. On augmente le pas des hélices pour être plus efficace. Et 32 pouces. Hop. Donc on va stabiliser l'avion. Bah 6000. On va pas aller plus haut. Et on va le laisser accélérer parce qu'on va vraiment pas vite là. Vu qu'il était en montée. Brasilia, c'était là-bas. Hein. Ouais, c'était là-bas. Adieu, Brasilia. Avec les immeubles, le pont bizarroïde. Pas été voir s'ils avaient modélisé la cathédrale, mais bon, on a eu une semaine pour faire du tourisme. Alors, on n'est pas tout à fait au bon cap. Et il faudrait qu'il arrête de monter. Soit cette altitude là, dès qu'il va être stabilisé, on va lui régler la richesse. On l'avait vu la cathédrale lors du dernier vol. Ah ok. Ouais, je... Alors, je vais vous libérer. Vous pouvez détacher vos ceintures et faire la Nouba dans l'espace VIP. On vient doucement au 180, c'est nickel. Et encore les grands crop circles. Il y a des tas d'extraterrestres qui passent dans le coin. C'est un pays extraterrestre. Hop, on stabilise, on a arrêté de monter. Non, il monte toujours, ce petit coquin. Hop. Et la vitesse augmente doucement. Pour l'instant, on est à 130 nœuds. Ça serait bien qu'on soit à 140. C'est plat. Hein. Alors, on est à peu près stable. Ouais, il monte encore. Hein. Ce petit cochon. On est à peu près stable, donc on va régler la richesse. On tire sur les manettes rouges jusqu'à ce que on atteigne le pic que j'étais. Ça monte, 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 ça monte fort, c'est descendu. On leur met deux coups et on est bon. C'est le temps de stabiliser, de lui qu'il trouve son équilibre, tout à fait. Quand on accélère, il monte. Quand on décélère, il descend. Parce qu'il a moins de portance. Ou plus. Il a plus de portance, il monte. Il a moins de portance, il descend. Logique. Est-ce que je t'ai dit bonjour? Que non, point. Et que je t'ai remercié pour ton suivi? Eh ben non, ben bonjour et merci pour le suivi. Bienvenue à toi. C'est le petit live détente du vendredi.
Hop, hop, hop. On se balade tranquillement autour de la planète. On a commencé un tour du monde il y a déjà un moment, puisqu'on fait un vol par semaine. Et là, on est en train de rejoindre Belo Horizonte avant d'arriver la semaine prochaine à Rio de Janeiro. Donc, c'est photo satellite, hein, comme d'hab. Il y a un tableau. Les gars qui font de l'abstrait là. Ah vache, il y a partout. Il y en a partout. Ah, les reliefs, c'est un peu plat dans le coin. Alors là, on va aller, c'est un petit peu plus collineux. Hein. Alors là, j'ai pas regardé le niveau de transition du coin, mais je pense que je dois pas être correct au niveau. On va vers l'Italie, donc on devrait être en impair. Et comme je suis VFR, il faudrait que je sois en 500, donc il faudrait que je sois à 7500 pieds en fait. Ben, on va monter à 7500 pieds. On va essayer de suivre quand même un minimum de règles, hein. Ce serait quand même pas mal. Hein. Salut Lynn, art moderne brésilien, ouais attends, tout à fait. Tout au bout de la terre, salut roi. Lolo. Ah je sais plein, hein. Déjà on est au Brésil, on n'est pas loin d'être tout au bout de la terre, hein. Mais bon, quand on sera à Ushuaïa, ça sera mieux. Hop, hop, hop. Et 29 degrés en partant. 29 degrés à Brasilia. Alors au niveau de la montée, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. On va lui dire de monter un peu plus fort. Du coup, on va monter un peu la pression. On a 89 nautiques avant d'arriver à Picata, là, Pikachu, Paracatu. Donc on va en profiter, je suis au 190 là, on va stabiliser. Je voudrais quand même récupérer la radiale. Salut Goldarius. J'ai commencé par où? On est parti, je crois, officiellement on est parti de Reims. Roi copilote, avec son sens de l'orientation, tu veux qu'on se perde? Je plaisante. Ah, il est en train de revenir. Faut que je fasse gaffe avec ça. Là, il est en train de repartir, ce petit cochonolo. Il est, comme d'hab, il est super dur à stabiliser cet avion. Hein. Il n'a pas un réel pilote automatique. C'est un vieux bazar de la Seconde Guerre mondiale. Mais t'as vu le bel avion que j'ai, roi? Hein? Quand même sympathique, hein.
Ouais, en manuel en live, c'est vraiment pas évident. Parce qu'il bouge aussi, il est pas stable non plus. Hein. En manuel. C'est un petit cochonou cet avion. On a combien? 7300 pieds. On a dit qu'on montait à 7500, mais il faudrait monter à 7500 en standard. Le standard, c'est 29,91 au niveau de la pression. C'est-à-dire 1013 hectopascal. Mais comme c'est un avion anglais, américain, donc il faut que je passe en... Hop, oula, j'étais trop loin. 29, 91, c'est dans ces eaux-là, donc il faut que je monte encore. On ne tire pas les creepers dans l'avion. Par contre, on peut dormir dans l'avion. Enfin, ça reste spartiate, mais tu feras rien d'explosé. Pas vraiment spartiate, hein. Alors, on montait à 7500 pieds. Comme ça, on admire bien le paysage. Oh vache. Brésil. Tes forêts vierges. Mes poustoufles. Là, il n'y a plus un poil d'arbre, hein, ici. Bon, après, on est sur la côte. Ça fait un moment qu'ici, il n'y a plus d'arbres. Hein. Enfin, on approche de la côte atlantique. 7300 pieds, tiens, on va se faire un petit point fixe, c'est rigolo ça. Ouais, c'est là c'est tiré de Google Maps. Enfin, Google... c'est les photos satellites de Google. Donc j'ai téléchargé toutes les tuiles de... entre Brasilia et Belo Horizonte. Ça va pas très vite. Non, bah non, 140 nœuds, et c'est pas un avion très rapide. En plus, on est en train de monter. On va stabiliser, on est à 7005. Donc, on stabilise le bousin. On se remet à 32 de pression. Et on stabilise le bousin, on veut plus que tu montes. Donc là, comme il va accélérer, il va encore chercher à monter. Donc, faut vraiment lui bloquer... Donc là j'ai le vario, il est à 0. Tiens, on vient de capter le. On va capter la balise et on n'est pas du tout dans le bon. On n'est pas tout à fait dans la bonne direction. Et au niveau. Bah là on peut dire qu'on est stabilisé. Donc on va se mettre dans la bonne direction. Tourner. Ah, tu pars pour Poitiers. Eh ben bon week-end alors. Des bisous. Donc là, pour aller à Picataru, c'est pas compliqué, il suffit d'aligner le 1 en haut, c'est bon. Hop, on redresse le bousin. Et on va rester scotché sur cette aiguille là. On a un petit cap 160. L'aiguille est légèrement à droite. Comme on est monté, 7500 pieds, d'ailleurs... On va re-régler le pic que j'étais. Alors on n'est pas bien placé. Hop. F5.
ça monte, là ça vient de redescendre, donc hop, on remet deux crans. Il n'y avait pas une grosse différence en fait. On est en train de tourner là. Ah ouais, on est en train de complètement partir à droite la petite aiguille. Hein, c'est pas bien. Donc on va aller la récupérer. Hop. La récupérer. Oh, vache. Il m'énerve un peu ce bouton là. Il chope le clic quand il a envie. Hein. Chance. Nous ne laissons pas le hasard dominer notre vie. Allez, on redresse. On va recaler le gyro. Et il repart. Ce qu'on va faire aussi, c'est que bah, tout à l'heure, on a calculé notre heure de départ. L'estimé, c'était 38 minutes, donc ça veut dire qu'on va arriver à 14h08 Zulu. Il est 50, donc c'est dans 18 minutes. Si on vole bien, parce que là, c'est calculé à 140 nœuds de vitesse. Il est en train de monter, hein, Tagazu. Il en fait vraiment qu'à sa tête. Bon, puis au niveau de vol, là, normalement, c'est avec le contrôle, vaut mieux faire gaffe. On est censé les respecter, quoi. Hop, hop, hop. Bon, ben, une affaire qui se goupille pas mal. On a chopé notre balise. Quand on sera dans le sud du continent, on aura déjà des un peu plus de relief, je pense. Hein. Quoique l'Argentine, il doit y avoir des beaux terrains plats aussi. Hein. C'est surtout quand on fera la remontée de l'autre côté, côté Pacifique, que ça va être sportif. Mais on n'y est pas tout de suite. Hein. On n'y est pas encore. Bientôt. Vous savez, là, ils ont fait un camembert style pizza italienne. Vert, jaune, rouge. Hop. Puis là, du chant classique, normal, la française. Attends, j'arrive, nous dit que pour l'empêcher de monter, il suffit de couper les moteurs. On va tester ça. Alors, au niveau direction, il faudrait qu'on aille un petit chouï à droite. Alors, on capte toujours le bord. Alors, on est à 60 nautiques de notre point de départ. Ça veut dire qu'on est à, on avait 89 nautiques à faire. Donc il nous reste une vingtaine de nautiques à faire. Ouais, ça fait un peu plus d'une dizaine de minutes. On repart à droite. Au niveau altitude, on est bon, mais on est en descente, donc il faudra se méfier à 7005, il faudra stabiliser. Et on a remis l'aiguille à peu près au milieu. Hop. Ouais, on y est passé au Groenland, on a fait l'Islande. En fait, dans notre tour du monde, on est parti de Reims, on a fait toute l'Atlantique Nord. Donc on a fait Écosse, Islande, Groenland, le nord du Canada, et on a redescendu toute la côte jusqu'en Guadeloupe. On voulait avoir du soleil. Ça, mine de rien, ça fait un moment qu'on est parti. Hein.
Alors on a eu alors on n'a pas fait un gifrage carbu parce que sur le baron c'est pas un carbu, c'est déjà injecteur. Mais on a bouché notre entrée d'air avec la glace et on n'avait plus de pêche, on a failli aller au tas. Et miraculeusement, c'est arrivé, il y avait un terrain. Parce qu'il n'y a pas masse de terrain en Islande. Hein. Allez, on l'arrête de descendre là, le tube pépère, parce que sinon ça va mal finir. L'aiguille elle est bien, tout va bien. 65 nautiques, poc 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 poc. Comme on est haut, le vent on va le capter longtemps en fait. Hein. Pour atterrir, on l'a fait à l'arrache. Hein. On a carrément fait, on n'a pas fait de. On a été faire une directe, on a même fait un contre QFU, mais la piste faisait 3 km donc. Donc un contre QFU c'est avec le vent dans le dos. Ceux qui sont point férus du jargon aéronautique. Alors qu'est-ce qu'on a comme paysage là? Ah, ça commence à devenir un petit peu plus collineux. Adieu les crop circles. Quoique, bon non, ils arrivent quand même à en faire. Il y a de la colline, il y a des petites vallées, mais ils arrivent toujours à faire des crop circles. Hein. Allez, voyous. Alors, dans le coin de Paracatu, on aura, pour s'y retrouver, bon, on peut pas le louper, il y a une balise, mais il y a deux petits lacs, là. Deux petites crottes de lacs. J1 dit, tu sais, on m'a parlé d'une histoire où les protagonistes ont fait le tour du monde en 80 jours. À deux, il faudrait 80 étapes, alors, 80 semaines. Ça fait marrant, ouais. Alors, on peut monter. Je pense, il n'y a pas de nuages, on peut monter très très haut. Hein. Ah, il y a des petites. Toujours les petites différences des photos satellites. Hein. Oh, ça fait bizarre. Hein. Oh vache. Ah, ça fait assez. Pas psychédélique, mais. Oui, art abstrait. C'est de l'art abstrait. Alors, on en est où? On a toujours on dérive toujours. L'altitude elle est ok. Par contre, ça on arrive à la maintenir. Alors après que non point, si tu veux voir nos péripéties, tous les épisodes sont tous les lives sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc alors c'était en Islande, c'était l'étape on devait aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et du coup on n'a pas réussi à aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça doit être l'étape avant d'arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est là où on a eu le fameux givrage. Alors on peut pas dire givrage carbu, je sais pas comment ça s'appelle. Bouchage d'aération. Bouchage de prise d'air par la glace. Alors on avait dit qu'on arrivait à 0,8, donc dans 10 minutes. Alors par contre, dans 10 minutes, là il me dit que j'ai 75 nautiques, il me reste 14 nautiques à faire. Avec ma vitesse, je la fais en 6 minutes. Donc dans 6 minutes j'arrive, il sera 0,4. J'aurai une belle avance, ça veut dire que je vole plus vite. Je vais plus vite que les 140 nœuds.
merci Lynn. Tour du monde record en bateau 49 jours et en avion 52 heures. Marche. C'était avec quel avion Donc là on est nickel, hein. Enfin presque. Altitude correcte. La flèche est légèrement, il faudrait aller légèrement à droite. Variomètre nickel. Cap. Hop, on recale le gyro. Et on va mettre un petit chouï à droite. Alors si on arrive dans 6 minutes. Non, pas avec. Quoique si on se fait. Si on se pose pas. Alors les deux petits lacs. Là, on s'est joliment découpé, on dirait les roues qu'on utilise en généalogie pour faire les grands-parents, les parents, enfin non, le contraire, les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, parce qu'à chaque fois ça passe, on augmente le nombre de populations par deux. Ah, c'est rigolo. Pop, pop. Ouais, ils sont bizarres ces ronds, ouais. Ouais. Ils doivent faire de la culture. Font différents essais d'OGM, ah, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est quand même que de la que du brin, hein, tout ce qu'ils font pousser là. Mais bon, rigolez pas trop parce que c'est nos bestiaux à nous qui les mangeons. Mais il paraît qu'il y a aucun danger pour nous. Ils ont dit qu'il y avait pas de danger. Faut ayez confiance. Il y a aucun danger. C'est dangereux mais pas trop. Peut-être il fait sombre, j'ai peut-être allumé la lumière. Le revoilou. Ah, j'y vois un peu plus clair. Alors, on va quand même regarder les instruments. L'altimètre, c'est bon, on est encore parti à droite. Alors plus on va se rapprocher, plus l'aiguille va bouger vite, hein, bien sûr. Au niveau distance, on est à 84, on est censé être à 89. Ouais, ça le fait, ça le fait. Alors, par contre, j'aimerais bien trouver... Ça sent la ville, ça, hein. Ah, ben, ils sont là, les petits lacs. Il y en a un ici. Et son petit frère, il doit être... Ben, il doit être dans le coin. Hein. Tout à fait, Little Benou. Salut à toi. Coucou, Bouboun. Ah, l'Amazonie, c'est plus ça. Mais on n'est plus tout à fait dans l'Amazonie, là. Hein. On est en dessous de Brasilia. On est en train de se diriger vers Belo Horizonte. Et on... La prochaine fois, on sera à Rio de Janeiro. On revient sur la côte, là. Même si on avait 29 degrés à Brasilia et à Belo Horizonte, il n'y a que 22 degrés. Hein. Elle va où notre balise là? Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Elle est à droite la balise, hein. Pas bien, on est encore en train de dériver. Ah, ben il est là le deuxième. Non. Non, c'est pas un lac, c'est un champ ça. Je l'avais vu tout à l'heure, le lac. Ah, il est là-bas. Donc nous on passe à droite. C'est normal. La balise, elle est légèrement à
au sud-ouest des petits lacs. Et après, on sera une verticale terrain. Peinard tranquille. D'ailleurs, peut-être que le terrain, il est au sud de la ville. Bon, on le verra tout à l'heure. Par contre, oui, il faudra peut-être se diriger un petit chouï plus à droite. Essayer de se rechoper la balise. Atajari nous dit, pour le record en avion en 52 heures, ce sont 4 avions de ligne impliqués et dont le modèle n'est pas précisé. Bon, après, ouais, ils volent quasiment tous à la même vitesse. Et 4. Du coup, ça gâche un peu le truc, je trouve, moi. Après, les compagnies vont pas faire un tour du monde, ça les arrange pas. Hein. À droite, toujours plus à droite. Oh non, pas à droite. Moi, je vais aller à gauche. parce qu'il y a le plan d'eau, hein, bien sûr. À gauche, c'est mieux parce qu'il y a le plan d'eau. Oh, ça c'est rigolo, ça. Donc ça c'est Paracatu. Ah tiens, une route. Et normalement on aurait dû avoir deux plans d'eau. Ah, il y a une route entre les deux, mais apparemment les deux plans d'eau sont... Là on voit qu'ils sont fort séparés, ça devait être à la saison sèche. Et ben en fait ils sont pas si tant séparés que ça. Hein. Ah si, cette rivière là en fait. Ah c'est celle-là. Oh vache. Donc l'autre. Bah l'autre il est à sec en fait. Ah c'est celui-là. Ah il l'aura séché. Allez, petits saligots. Ah oui, on a la troisième petite crotte qui est là. C'est cette crotte-là. C'est papa ours, maman ours et bébé ours. Un grand classique hein, dans la nature. On les retrouve partout. Donc, papa ours, maman ours qui a perdu les os et bébé ours. Vache, on va arrêter là. On est sur une pente savonneuse. Mika il dit à force de défoncer les lampadaires et les hangars, l'avion a tendance à aller à gauche depuis quelques temps. Ah c'est ça. Donc là on a une mine. Ah vache, c'est une mine. Mina Kinross. Oh vache. C'est la mine. Oui, maman ours n'est pas dans un bon état de santé. Apparemment, c'est des lacs avec des barrages. Hein. Les traits rouges qu'on voit là, c'est les barrages. Et toute la ville, c'est une mine. Donc là, Paracatu est normalement au sud. Au sud, on a un terrain. Ah, il est là-bas. Vous l'avez vu? La piste est là. On a dû basculer, ouais. Donc on va prendre le cap 148. Je pense qu'ils soit ils sont en train de le nettoyer le truc, soit. Il est peut-être lié à la mine. Hein. Ils pompent la flotte de là pour leur mettre là. Et... Donc on a dit 148. Et au niveau top, voilà, on prend... Et notre terrain est là, donc c'est nickel. On va faire une verticale terrain.
Hop. En train de virer. Allez, on revient au 148. Tâche de m'obéir un peu l'avion, hein. Sinon je te mets à la casse et j'en prends un autre. Hein. Avec un GPS pour plus se perdre. Ouais, 14h08, au niveau de l'heure, c'est bien. Tout à fait. Donc on va... Ben, on va valider. Le prochain point, c'est donc l'aéroport de Joa Pinheiro. C'est dans 25 minutes, donc ça fait 14h33 Zulu. Ce sera l'heure de goûter. Alors là, on n'a plus de moyens de radionav. Il va falloir faire un petit peu attention. Il va falloir faire un petit poil attention. Parce que si on regarde... Hop. Notre... Ah, et on suit la route. On suit la BR-040. Arriver sur Joao Pinheiro. Alors où elle est cette route? Actuellement elle est au sud, non, elle est au nord. Alors c'est elle. Elle part là, pop 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 pop. Et elle part comme ça, bah il faut la suivre. Alors elle va, on va passer au-dessus, et donc après elle sera à notre droite. Elle est là, hop, 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 et on l'aura toujours à notre droite, tranquillou, jusqu'à arriver à Joa Pinheiro. Donc c'est un bon moyen... Un bon moyen pour se... pas se perdre. Salut que non point. Et on passe quand tu veux. Je vais pas boire tout monté, mais j'ai soif. Pardon. Excusez-moi. Oui, il y a des nuages là-bas. Et on voit la ville avec l'aéroport. C'est sympa quand on n'a pas eu souvent du beau temps comme ça. Toujours 7500 pieds, nickel. Ça fait du bien, c'est chaud en plus. Même si j'ai pas froid, enfin c'est... Le problème c'est l'humidité.
problème, c'est l'humidité. J'ai de plus en plus de mal avec l'humidité. Avec le réchauffement climatique, ça devrait s'arranger. En fait, c'est même pas vrai, parce que plus il va faire chaud, plus l'eau va s'évaporer des océans, donc plus on risque d'avoir de la flotte. Voire éventuellement une glaciation. Mais bon. Si t'arrives à tout prévoir, tu finiras bien par tomber sur un truc juste. Hein. Alors la route. Ah bah elle est là. La BR-040. Cool. Il y a même des petites voitures dessus. Ah, tout à l'heure j'avais vu une voiture. Ah si, en voilà une voiture. En voilà une voiture. Un camion. Le camion veut croiser la voiture. Faut quand même des trucs sympas maintenant. Ah, j'en ai récupéré quelques-unes de Latina. Donc dans la bibliothèque de son de YouTube, histoire d'améliorer un petit peu le... J'espère que vous les entendez, moi je les ai pas très fortes, et il y a le bruit du moteur, hein. c'est des avions très 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 bruyants. Quand on est là, c'est peut-être un peu atténué pour les passagers. Mais quand on est à l'avant, juste devant les moteurs... Alors maintenant ils font des très bons casques anti-bruit. Hein. Avec c'est des casques qui réémettent une fréquence qui va venir diminuer les fréquences extérieures. Alors théoriquement j'explique ça certainement très mal, mais bon, ça permet d'atténuer les bruits extérieurs. On les entend plus, ils sont toujours là, mais le casque les atténue parce qu'il les contre par d'autres fréquences, en émettant d'autres fréquences. Alors au niveau 148, le cap. Le ronron des moteurs est assez dominant. Est-ce que vous voulez que je diminue le ronron des moteurs? Coupe les moteurs pour écouter. Attends qu'on a bien les moteurs du DC-3. Alors c'est les moteurs. C'était un gars qui était passé qui m'avait indiqué qu'il y avait des moteurs, des sons beaucoup plus réalistes que les moteurs livrés avec l'avion. Ils sont d'ailleurs dans la description des rediffs YouTube. Et du coup on les avait remontés. Mais on peut les redescendre. Hein. Ça se fait ici. Ouh. Ah ouais, ça fait du bien. Et on peut diminuer le général, je pense. À quoi que les clics-clics, ça serait pas mal. On va diminuer ces bruits-là. Peut-être plus l'intérieur, d'ailleurs. C'est un peu mieux comme ça. Tant qu'ils ronronnent, c'est bon signe. Ouais, c'est sûr. Après, sinon, visuellement, faut... Moteur droite, c'est celui-là, tourne. Moteur gauche, tourne. C'est bon. Vous voyez la carotte. Tantalan. Tantalan. La musique un peu plus forte. Parce qu'il faudrait que je l'harmonise en fait la musique, parce qu'il y a des morceaux très forts et des morceaux qui le sont moins. Il faudrait pas que ça couvre ma belle voix mélodieuse. Mélodieuse.
Alors, 148, hein. On est en train de partir où, là? On était censé arriver à quelle heure? Passer à Joa Pinheiro à 14h33 Zulu. Ah, il est 19. Oh, ça va, on a le temps. C'est bien, là? Oh, impeccable. C'est un désert. Oh, c'est rigolo ça. Ils se sont bien amusés pour tracer les routes. Ça a l'air d'être une route, hein. Ah, c'est peut-être une rivière. Ah, c'est une rivière avec des bancs de... Ah, cool. Ah, c'est une rivière. Ah, je disais, le gars qui a tracé la route, il en tenait de sévère. Hein. À propos, notre route, elle est où? Ah, c'est elle. Bon, bah, on la suit, hein. Et il y a une autre rivière de l'autre côté. Je pense qu'au niveau de la carte, on est pas mal parce que là, on a une rivière qui a l'air... On est bon. Par contre, la route... Ah si, elle est là. Ah, nickel chrome. Alors on va vérifier, on doit être censé être au 148, on recale le gyro, impeccable, on est au 148, voilà, il suffit de recaler le gyro, on est à 7500 pieds, on capte toujours le vore de Brasilia, mais ça c'est parce qu'on est très haut, hein. 131 nautiques. Au niveau des paramètres moteurs, on est à 2250 tours minute, 32 pouces, la pression d'huile est ok, la pression de fuel est ok, le fuel c'est ok, l'hydraulique, la pression hydraulique c'est ok, la température d'huile c'est ok, la température dans les cylindres c'est ok, la température dans le carburateur c'est ok, tout est ok. C'est pour se couler maracas. Je pensais que c'était un peu plus montagneux, moi. C'est arrivé sur la côte, alors carrément sur Rio de Janeiro, qu'on va avoir des petites montagnes un peu partout. Là, c'est les Tres Marias. Il y a de la montagne, là. Non. Et la, mine de rien, la BR-040, on la suit, elle nous amène directos à Belo Horizonte. Hein. Ils ont aussi une borne pleine. Voilà. C'est pas forcément de la musique que j'écouterais habituellement, mais dans le cadre de ce genre de petit live, c'est sympathique.
Alors comme on est à 7500 pieds, il y a un truc à laquelle il y a un truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est le gros problème de l'aviation. Ouais, ça détend, ouais. Nous dit Lina. Ouais, puis c'est entraînant, c'est guilleré. On peut pas avoir d'idées noires en écoutant ce genre de musique, non? Quoique. Allez, tous en piste. Vu le poids de l'avion, ça devrait aller. Hein. Oui, donc, on est à 7500 pieds. Notre aéroport d'arrivée est à 3000 pieds. Donc on va descendre, il va falloir descendre dans un premier temps à 4500 pieds. Donc de 7500, il va falloir descendre de 3000 pieds. Bon, ça va encore, parce que même si on fait une descente à 500 pieds minute, il nous faut 6 minutes. Mais pendant 6 minutes, mettons qu'on soit à 120 nœuds, 6 minutes, on fait 12 nautiques. Donc là, on sera à 140, on fera un peu plus de 12 nautiques. Donc il faut pas descendre trop tard. Bon, après, on doit arriver par le sud. Ça va être très chaud, le truc. J'ai bien peur de pas réussir à trouver le terrain là-dedans. On se réglera une radiale. Donc si on se dit il faut descendre 15 nautiques avant le terrain, mettons 16 nautiques, on pourrait commencer à descendre ici. Alors on peut le préparer en fait bien avant. Hein. Dans la réalité, en plus, on est avec des contrôleurs. Il y a des contrôleurs, donc les gars, ils vous demandent éventuellement de descendre avant. Alors, ouais. Donc, je voudrais une radiale sur le bord. Alors, par contre, je vais le faire dans l'autre sens parce que là, c'est pas une radiale. Carte, supprimer les portées. On va le faire dans l'autre sens. Mesurer la distance. On sera sur la radiale 191. Et ben ce qu'on va faire, on fera un grand détour par le sud. On ira s'intercepter la radiale 191 et on remontera comme ça et on devrait être pile tombé sur le terrain. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Même 192. C'est que cette histoire de charge plus ou moins 2 tonnes qui se balade. Alors, on n'est pas bon au niveau, on l'a laissé dériver. Faut qu'on roule au 148, hein, les pépères. Au niveau altitude, on est bon. La route, elle est où? La route, elle est là. Tant qu'on voit la route, c'est bon. Elle est où la route? Elle est là. Oh, oh, oh. Oh, c'est quoi ce patelin? On devait arriver à quelle heure au fait? 33, il est 28. Ça serait pas Johanna... Joao Pinheiro. Et le terrain, il est juste après. Oh, il est là-bas, Tio Pépère. As-tu personne avec un poids moyen de 80 kg par tête? Si tout le monde danse. Moi, je fais pas 80 kg, je fais un peu moins. Mais bon, je ne peux pas danser, je pilote. Alors, on est au 148, c'est nickel.
cale un peu le gyro. On a repéré le terrain. On va pas vraiment faire une verticale. Je rigole parce que Lynn écrit moi non plus. Je fais... Ah, t'as oublié de dire soit moins, soit plus. Je pense que c'est moins. Moi non plus, je fais... Oui, moi non plus, je fais moins de 180 kilos, oui. Après, si tu mesures 2 mètres de haut, et que t'as le gabarit d'une nageuse est-allemande, bah personne viendra te faire de réflexion, de toute façon. Donc, on passe au-dessus de João Pinheiro. Ah, 1m62, oui, en effet. Ah oui, on est plus nombreux, donc tu es obligé de rajouter... On est 32 de plus, donc tu es obligé de rajouter 160 kilos. Alors, en même temps, avec 30, c'est plus facile à calculer. Ça fait 2000, ça fait 2 tonnes 4. Alors, on va regarder vite fait. Là, ça va être plus souple parce que la route, on va la perdre. On va perdre notre moyen de retrouvailles. Mais bon, avec le lac des Trois Maries, je pense que... Donc, les Marias, je pense que c'est pour les prénoms qu'ils ont appelé ça comme ça. Je pense qu'on devrait trouver facilement le terrain de Sierra Novembre deux fois Mike. Morada Nova de Minas. J'enlève la carte. Non. Alors le terrain, ils l'ont pas modélisé, hein. C'est le terrain standard par défaut de X-Plane. Il y en a plein des comme ça. J'espère que j'ai vu des trucs sur FS 2020. Auquel je pourrais jamais jouer puisque je ne suis pas sous Windows. Et puis après, il faut voir le prix et que ça va coûter. Hein. Et puis les machines qu'il va falloir, mais bon, ça c'est encore autre chose. J'espère que du coup, ça va bien stimuler les concurrents, dont X-Plane, pour faire des terrains. Parce que eux, les autres annoncent tous les terrains de la Terre entière et pas modélisés de manière standard. Et puis on voit que là, c'est un peu à l'arrache. L'angle est pas bon, l'angle de la piste est pas bon par rapport à la photo satellite. Ça la met un petit peu mal quoi. Allez, on fait un top 16h32. Donc 14h32 Zulu. On est un petit poil en avance, c'est nickel. On calculera. Oh c'est 28, c'est facile à calculer, c'est 14h50. Hop. Et donc on prend le cap 160. On n'est pas très loin du cap 160. Hein. On est remonté un tiochouille, c'est pas grave, faut le surveiller. Là c'est un peu fort. Attends, j'arrive, attention. Hein. On devait pas aller au 160 au fait. Parce que là on n'est pas du tout en train d'y aller. Alors il n'y a pas vraiment de soute hein, dans le DC3. Hein. En fait tu voyages dans la soute. Allez, on est au 160. On profite pour recaler un peu le gyro.
Pourquoi il s'est pris... Pourquoi il s'est pris 100 pieds, cette andouille, là? Énerve, hein. 160, je veux que tu ailles. Des triple clics. C'est vraiment un vieux coucou le truc, hein. Stabilise, qui reste stable. Et on peut aller voir le paysage. Alors ici c'est plus le coin des champs ronds, c'est les champs des coins parallélépipèdes. Octogonal. Non, il y a des triangles, des rectangles, il y a peut-être même des losanges. Et il y a des trucs bien verts, il y a des trucs pas verts du tout. Hein. Partir. Est-ce qu'on serait en train de changer de météo là? Il y a des nuages qui sont en train d'arriver. On a perdu le bord de... On a perdu le bord de Brasilia. On va aller choper celui de... Belo Horizonte, BHZ, qui émet sur 117-70. C'est le fameux dont on prendra la radiale qui va bien. Capte pas pour l'instant. On verra quand on se mettra à le capter. Salut Beric. Là le gars il doit avoir un autre moyen de d'arroser son champ que les trucs en crople. Même si à la base, là, on voit une amorce de crop. Pareil ici. Mais bon, il l'a foiré son cercle. Hein. Même moi, avec Minecraft, j'en fais un plus beau que ça. Hein. Par contre, ça fait encore des dessins bizarres. Hein. Ça c'est la BR040. En effet, à un moment donné, elle va partir à droite, non à gauche. Elle va partir sur notre gauche. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire, hein, on dirait. J'ai fait n'importe quoi là. En fait, il faut pas regarder dehors avec cet avion. Faut toujours aller chercher. Toujours
toujours avoir l'œil sur lui. Hein. Dès qu'on le surveille plus, c'est comme un gosse. Hein. Dès qu'on le surveille plus, il fait des bêtises. Hein. Mine de rien, il est en train de monter doucettement. On va lui mettre un petit coup de... Tiens, prends ça. Salut Sniper King. Alors si tu parles du nouveau qui va arriver en 2020 ou après, on sait pas quand ils seront prêts, c'est pas Google Maps, c'est Bing. Les images satellites de Microsoft en fait. Hein. Ce qui est logique, Microsoft et Google ils doivent pas bien s'aimer. Ils sont pas bien s'aimer, ils sont concurrents. Et avec ce que j'utilise, orthophoto, on a le choix pour récupérer soit les photos satellites de Google, soit celles de Bing, ou encore d'autres sources. Parce qu'il y a plein de sources hein, de photos satellites dans le monde. Enfin, il y a des gratuites, il y a des payantes. Et dans les gratuites, il y a plein de sources. Et ce qu'il y a, c'est qu'elles sont plus ou moins de bonne qualité, elles ont des nuages, elles n'ont pas de nuages. Là, dans cette région-là, celles qui sont de meilleure qualité, c'est celles de Google. Enfin, j'ai pas regardé Bing, mais celles de Google sont de bonne qualité, donc j'ai l'habitude d'utiliser celles-là. J'avais fait pas mal de mélanges quand on était en Guadeloupe, parce que certaines îles étaient pas bonnes du tout avec Google, elles étaient meilleures avec Bing. Des fois, c'était des histoires de couleurs. Donc je pense que la BR-40, elle part par là maintenant. Adios, la BR-040. Nous te retrouverons à Belo Horizonte. Tu veux dire les nuages qu'on voit là, ici, là, ceux-là? Alors, moi j'ai chargé, j'ai un plugin, comment il s'appelle? Ah, il apparaît pas ici parce que c'est un plugin en LUA, c'est Environnement Plus. Enfin, c'est pas X-Enviro, c'est Environnement Plus. Et il change la texture des nuages. Mais sinon, oui, donc on peut changer la couleur, mais ils seront toujours de la même couleur en fait. Par contre, sur les photos satellites, bah, c'est des images et éventuellement faut les retoucher quoi. Alors 160, hein, mon petit gaillard. Au niveau, hop, il est en légère descente. On va arrêter. La pression est bonne, tout est bon, les paramètres sont ok. Au niveau essence. C'est étonnant que vous m'ayez pas encore demandé si on avait encore assez d'essence. Oh! On a 80 gallons dans chaque réservoir. Il nous reste 160 gallons. Alors l'arrivée était prévue. L'arrivée à. Le passage à Monada Nova. Prévu à j'affiche pas tout là. Non, je vais pas l'enregistrer. Petit margoulin. On devait arriver à. On devait passer à 50. Ah, c'est les G1 surveille plus les jauges, ouais. Ah, ouais un petit peu de laisser aller avec le temps. Hein. On se dit, on fait confiance, on se dit c'est un super pilote, on va lui faire confiance, il se trompe jamais. Et puis voilà, c'est là qu'arrive, on oublie de remplir le réservoir et c'est pas comme si ça nous était pas déjà arrivé. Hein. Hop. Donc 50, on arrive dans 6 minutes. Enfin, on arrive. On passe à Morada Nova dans 6 minutes. Normalement,
6 minutes. Radanova est là, on devrait déjà avoir vu des bouts de flotte. Là il y a une route. C'est Mazeias. C'est le Whip Project. D'ailleurs à propos du Project, c'est dans 15 jours. Puisque vendredi prochain on fait le vol à Rio et on va se faire une petite pause le vendredi d'après si tout est prêt. Et j'ai mis un message sur le Discord où je demande des voix pour pouvoir faire un vol en immersion très immersif, très proche de la réalité. J'ai besoin de voix pour faire les contrôleurs. Donc il me faudrait quelques voix. Il y a quelques phrases. Alors il y en a un qui est bien chargé, mais les autres ça va encore. Il faut que... Donc si vous avez une diction où on vous comprend bien, on comprend ce que vous dites, et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à aller voir le Discord et enregistrer votre voix. Donc il faut avoir un micro, un logiciel d'enregistrement, ça c'est pas un problème. Là, il y a partout, sur toutes les plateformes, il y a possibilité d'enregistrer sa voix. Et puis voilà. Quelle langue ? En français, hein, c'est du français. Il y a tout le texte, il n'y a pas à improviser, puisque le contrôle aérien, tous les échanges sont très calibrés, très réglementés. Bon, on peut. Il y a quelques manières de se différencier, mais assez peu en fait. Je me demande si en fait dans les c'est pas dans les creux là qu'il y a la flotte. 160, il dérive toujours un petit peu. Non, je tire. C'est pas censé se passer tout à fait dans le nord de la France. Alors 50, on est censé arriver passer dans 4 minutes. Ça m'embête un peu ce truc. Ce truc l'eau. Après, on peut avoir des accents fort typés. Enfin, l'accent n'est pas un problème. Hein. Si ça reste, il faut que ça reste compréhensible. Oh là, il y a une grosse vache, un canyon, le truc. Eh. Vous avez vu ça un peu ? Alors, est-ce que ça serait pas cette rivière là. Et ça se dirige vers... Bon, je crois qu'on est perdu. J'aime pas ça du tout, hein, les gens. En plus, c'est le désert, le coin. Il n'y a pas un point de repère, rien. Missy, vous êtes râle un peu trop bas. Je suis à 7500 pieds. Je suis sur la route, hein, presque au 160. Va, je sais quoi ce brin. Parce qu'on est bien d'accord, si on regarde la carte, on est censé passer au-dessus d'un gros fjord là. Et puis là, sur notre gauche, on devrait avoir de la flotte de partout quoi. C'était pas la hotline de Free. Bon, puis voilà les nuages. Manquait plus qu'eux. Hein, histoire de mettre le bazar, là. Oh ! Heureusement que normalement, c'est des épars. Hein. Et ça, c'est pas de la flotte. C'est tout à sec. Ou alors, dans OpenStreetMap... Ils sont super optimistes, ils ont tout rempli, alors qu'en fait c'est tout dévalé, mais elles sont à sec, quoi. Où il y avait un barrage et il a pété. L'eau, c'est en face, dans les creux.
Ah! Là-bas, la flotte. Ah, je suis soulagé. Mais par contre, on n'est pas bon du tout au niveau temps. Ou alors, je me suis trompé dans le calcul. 32 plus 28. Ça fait pas 50. Ça fait 60. Ah, damned! Il faut toujours se méfier quand on dit « Ah, le calcul va être facile, je le fais tout de suite. » Bon, ben ça va, on a 10 minutes de rab. Oh, soulagé. Par contre, on va peut-être reprendre le 160, là, parce que là, ça devient n'importe quoi. On est d'accord. Fjord. Bah, c'est parce que ça ressemble. Avec tous les barrages qu'ils font partout. Ils ont mis du rouge quoi. Je sais pas pourquoi ils s'amusent avec le rouge comme ça. Ah, hello, elle est là. Ok. Ouais, ça servait à rien de paniquer, hein. Donc on va passer au-dessus d'une masse d'eau. Si on arrête de dériver. Et ensuite, on aura notre... Et on aura Morada Nova. Des petites zites sur leur truc, hein. Alors, est-ce qu'on peut essayer de repérer en fait avec les formes les petites îles? Je me demande si c'est pas ça. Ça voudrait dire que... Donc si c'est mes petites îles, c'est ce petit truc-là. Normalement, on aurait dû passer plus à droite. Et donc... On est en train de doucement partir par là et je pense que Morada doit être là-bas. DLX au lieu de DLVV. On va peut-être descendre. C'est quelques nuages épars. Là, comme on est proche de l'aérodrome, on pourrait les contacter, demander la météo. Ça, c'est les genres de choses qu'on peut faire. Donc, dans X-Plane, on se prend Morada, double-clic, on regarde la météo. Alors, il nous dit que c'est la météo de Tancredo Neves, qui est à 100 nautiques, hein, mais on l'avait vu, ça. Donc, on a un vent du 0,52 à 7 nœuds, donc, légèrement du nord. 21 degrés, pression atmosphérique 1022, donc 3018, visibilité, et c'est les nuages, ça doit être quelques nuages ça,
à 3000. Ah, ça vient de changer. À 3000 pieds. Alors 3000 pieds du sol, sachant que le terrain est à presque 2000, donc ça veut dire que les nuages sont à 5000 pieds. Donc ça vient de changer là. Donc on va peut-être descendre à 5000 pieds. Du coup, on va repasser en altitude au QNH. Donc il nous avait dit 3015, 1021 hectopascal. 3015, c'est dans ces eaux-là. Il y a l'erreur de parallaxe à peu près. Et on va se mettre à descendre. On est en VFR, on veut pas rester au-dessus des nuages. Bonjour, c'est quoi? Là je descends, je prends de la vitesse, donc du coup il va refuser la descente, il va essayer de remonter. Et on va pas se laisser faire. Alors j'avais dit heure de passage à Morada Nova de Minas, 15h Zulu, dont 17h, et avec tout ça j'ai pas goûté. Je vais en profiter pour manger ma petite banane. Ou alors j'attends qu'on l'ait passé et j'ai dit encore parce que là on va quand même essayer de repérer. Il faudrait descendre un peu plus vite, sinon on va plus rien, on va plus voir le sol et on va pas voir notre terrain. Cette île là je l'avais repéré, le terrain est dans cette est dans ce coin là quoi. Ça serait bête, on n'est pas perdu. Hop, c'est bien humide par ici. Donc on a dit qu'on redescendait à 5000 pieds, en fait on redescend sous les nuages hein. Je jette Sperek. Ouais, c'est payant. Tu peux télécharger une démo pour le tester, voir si ça te plaît. Elle fonctionne. Ça fonctionne 15 minutes. Et il n'y a que quelques terrains qui sont bien détaillés que tu peux utiliser. Mais ça permet de tester déjà si ta configuration est bonne, si tu auras des. Parce qu'après c'est le jeu normal, mais une fois que tu l'as acheté, ça se débloque. Mais c'est un jeu payant. Alors jeu. Attention, hein. Attention, attention. C'est un simulateur de vol, hein. Il faut le dompter le truc, hein. C'est-à-dire il faut un certain apprentissage pour pouvoir décoller, atterrir sans se crasher. Sauf si on a de la chance. Alors on est toujours au-dessus de la flotte, hein. Morada. Hein, quoi qu'il faut faire gaffe parce que. On aurait vite fait de le passer, on voit cette flotte là, on dit on se trouve pas au bon endroit. Parce que là je suis à 58. Je devrais arriver dans. Et ça m'embête d'être toujours autour de ce bazar, de ce cloaque de flotte là. Il est où ce maudit terrain? Vache. Parce que sur la carte, il n'y a pas autant d'eau que ça.
alors c'est que je suis déjà passé au-dessus, quoi. Ou alors à côté. Et si on loupe un point, c'est quand même un peu embêtant. Parce que ça veut dire qu'on pourrait quand même être très très bien perdu. Je vois rien là-bas. Hein. Salut Seca. Ah, t'es pas très très gentil, Berek, hein. Surtout que Seca, il est déjà passé. Il est gentil. T'es perdu, je peux aller manger ma banane. Parce que là il est 10, il est 15h Zoulou. En plus on descend. Ah ouais, en descendant on a été plus vite. Oh vache. Vous savez ce que j'ai peur? C'est au lieu d'être là, on est là. Bon, on va finir par choper le vor, hein, mais... Parce que ce truc super large, là... Donc en fait, le terrain, à tous les coups... Bah, il est par là, quoi. D'ailleurs le vent on l'a chopé hein. Il est là. Donc c'est pas... Et on est à 96 nautiques de l'arrivée. On peut calculer où on est. Faudrait qu'on soit... Déjà faudrait qu'on soit au cap 160. Ouais, on a fait l'erreur à gauche, c'est étonnant. On va arrêter de descendre peut-être, on est juste sous les nuages. Bon, on n'est pas en niveau de vol. Sinon on n'est pas dans le bon. On va dire que l'altitude de transition ici c'est 6000 pieds. Donc on est bon, on n'a plus besoin de voler en niveau de vol. On va stabiliser. Un peu à descendre. On n'est pas vraiment au 160. Je voudrais que tu reviennes au 160 pour Gaga, pour PPR. Après bon, maintenant on s'en moque, on a la direction quoi. Ah, puisque là on devait suivre le 160. C'est pas tout à fait le vor, mais c'est pas grave. Là on est au 160, on stabilise. Au niveau altimètre, c'est bon. Donc, on va regarder sur quel radial on est. On est sur la 150, à peu près 155,
Et on est à 89 nautiques. Donc on revient là, on se prend le bord. Mesurer, hop. Donc radial 155 pour 80, allez, 88 nautiques. Oula. Ah, il faut regarder 335. Hop, on est ici. Il devait y avoir un terrain derrière nous. Ils sont pas évidents à trouver, les terrains dans X-Plane. Allez, on va aller direct sur le Vore. L'aiguille au milieu. Cette aiguille là. Hein. On essaye de la voir au milieu. il se balade où il veut l'avion. J'ai beaucoup de problèmes à manier ce bouton là qui est ici. Enfin, celui-là. Bon, c'est bon. Quoique. Ça va être meilleur comme ça. Donc. On n'a pas. Donc, pour calculer l'estimé, c'est pas évident. Puisqu'on n'a pas, notre point. Bon, on a l'information DME. On sait qu'on est à 82 nautiques de notre point d'arrivée. Donc. On se dirige droit sur le Vore. Il n'y a aucun souci. Hein. On va suivre la ligne bleue là. Alors, sur les cartes, ils avaient dit il faut pas aller se balader au nord sur les terrains autour de Pampula. Donc, dès qu'on sera en vue, en fait, à quelques nautiques, mettons à 8 nautiques, donc au-dessus de Ribera das Neves, 8 nautiques du Vore, on partira au sud. On commencera à descendre tout ça. On fera un virage hein, pour éviter les populations. Et puis, hop, on viendra rechoper donc ce qu'on avait dit, la radiale 192 du même Vore par le sud pour atterrir sur le terrain. Comme ils indiquaient dans la. Dans la carte VAC. Avec l'Entrada qui est au sud, et hop, on va s'intégrer en vent arrière d'un côté ou de l'autre selon dans quelle direction est le vent. Hop. Hop. Alors on peut quand même estimer notre temps d'arrivée, on est à 78 nautiques. Donc là je prends ma calculette. Ça fait 33 minutes. Salut Slapone. Donc je vais goûter. Donc je reste là mais je me mute. Puis je vais me planquer parce que... Bon la banane... On va changer de vue de temps en temps. Mais vol aussi. 160 Boudjou, c'est quand même pas compliqué.
quand tu veux. Allez, arrête de tourner. Ah, t'arrives au bon moment, t'as loupé, parce qu'on était perdu. On s'était perdu. Malheureux de G1, ce coup-ci j'ai pas pris j'ai pas pris le max. Il reste que 140 gallons pour 70 nautiques. Imagine qu'on consomme 2 gallons par nautique. Bon, c'est qu'il y aurait une sacrée fuite ou alors à la pompe, t'as intérêt à couper les moteurs. Allez, 160. Hop, il rentre un peu. Alors, caler le gyro. Alors que c'est nickel. Hop. Paysage, c'est moyen là. Bon, après, avec les nuages, tout à l'heure on avait le beau temps et tout, c'était cool. Là, il fait pas beau, il y a des nuages. C'est pas rigolo quoi. Qu'est-ce qu'on a comme truc à voir dans le coin? Donc, on vient de passer le lac des Trois Maries. Bon, ben... Oh, il y a Pompéi! Ça va commencer à se densifier quand on va approcher de Belo Horizonte. Hein. On voit qu'il y a de... Il y a du monde qui habite dans le coin. Mais en attendant, c'est calme. Tu voles sur le dos, nous dit Berek. Le niveau sera plus haut dans le réservoir. Non ? Possible. Aujourd'hui c'était à la louche. Non, c'était super calculé. J'ai mis. Non, par contre, ce que j'ai fait ouais, depuis l'épisode F4, on a vraiment fini. Mais on avait mis le plein. On avait pris le plein et on a fini quasi à sec. On a quand même pu faire marcher la. La. Comment ça s'appelle? Ah, quand on réinjecte de l'essence dans le. Dans les. Dans l'air qui s'éjecte du réacteur. Ça porte un nom, en anglais et en français. Mais j'ai perdu. J'ai même pas les noms ni en anglais ni en français. Post-combustion, voilà.
On a même pu quand même mettre un coup de post-combustion, on est monté à 900 nœuds, on a passé le mur du son. Donc c'était assez cool, mais on était un peu court, il aurait pas fallu faire 56 tours de piste pour atterrir. Heureusement on a réussi du premier coup je crois. Donc là j'ai pris, on avait 2h20 de vol prévu. J'ai pris 3 heures en prenant l'estimation que nous donne X-Plane, donc sans refaire les calculs moi-même. Il me disait 3 heures, donc 2h20 plus les 30 minutes de sécurité, plus 10 minutes pour les manœuvres de... Non, c'était pas à la louche, c'était complètement maîtrisé. Complètement maîtrisé. Oui, Afterburner. Mais moi, c'était le nom. J'ai toujours utilisé le nom français. Bon, après, vous connaissez maintenant. Les noms anglais, ça gratouille un peu le. Après, t'as des éruptions de boutons. C'est comme manger du pudding. Il y a des rivières hein, comme point de repère. Alors on est stable en altitude, on est sous les 6000 pieds, 6600 pieds, alors 5600 pieds. On va se mettre le... Pop, il y a un Atis. Il n'y a pas d'Atis à Carlos Prates, là où on va, mais il y a un Atis à Pampula. On va l'écouter, ça nous donnera la météo. 127-450, si... Hop. C'était ça que je voulais vous mettre. 127-450 à Pampula. Et... On va se le mettre. On va voir si on le capte. Capte pas. Ce qui est pas choquant, on est encore à 55 nautiques. Par contre, il est encore reparti à droite. Là, salut Fredo. Et oui, un fantôme. On a fait du radada. C'était bien amusé. On voulait des montagnes. Ta-da, ta-da-da. On va stabiliser l'avion dans la bonne direction et on va faire une micro-pause technique. On est sur la radiale, hein, rien de bien méchant, mais je fais attention comme il navigue un peu à droite à gauche. Hop. Allez, il est stable. Oh, il part. Le petit sacripant. Il est en train de partir. Pourvu qu'on dérive pendant la pause technique. Oh, ça dure 30 secondes la pause technique. Hein. L'avion fait des dribbles. Normal, hein, puisque ce soir on va au foot. Vous avez vu l'affiche, hein. Hop. Ce
soir, c'est football au stade de Belo Horizonte. Il est temps de jouer au football. Donc, on a stabilisé l'avion à peu près. Les montagnes sont loin. J'ai 30 secondes. Je vous laisse l'avion. Vous touchez à rien. Je reviens. Pendant ce temps-là, on a capté Latis. Donc Pampula, information Roméo. Vent 100 nœuds. Non, vent du 100. 100 degrés à 10 nœuds, visibilité 10. 3500 pieds épars. Température 23, point de rosée 12. Altimètre 3015. Bon, bah là, la piste en service, c'est la 13. Mais. La 13, c'est à Pampula. Pour nous, le vent, il est du 100. Donc, ça sera la 9 en service. Ah. Donc, il va falloir faire gaffe à pas... En cas de remise de gaz, il faut absolument éviter le cimitério da Paz. Hein. Donc, on arrivera par le sud. On fera un grand virage à gauche. On préparera la machine. Et puis là, bah, du coup, de ce côté-là, on n'a pas de contraintes. Hein. On peut s'éloigner un petit peu. Et puis on reviendra en étape de base, puis en finale pour la 09. Ah. Nickel chrome. On peut lui couper son sifflet à lui. Poup, on n'a plus besoin de doigts. L'épandage, ces techniques, c'est hyper dangereux, ouais, surtout. Les gars, ils volent en rase-motte. Et alors ceux qui ont les meilleures techniques, ils passent, ils font le long d'un champ. Ils arrivent au bout du champ en fait, ils font un gros cabré. Alors attends que je monte là. Ils font un gros cabré, ils se retournent. Ils font un avec une grosse ressource, ils repartent et ils sont dans l'autre sens pour refaire une allée dans le champ. Quoi. Tout ça pour faire le champ en un minimum de temps. Pop, 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 pop. Alors le stade de la photo, c'est le Minerao du nom du gouverneur, nous dit J1. Et il y en a deux autres. Un majeur pour une des deux équipes de Belo Horizonte et un autre mineur pour les jaunes recrues. Ah, c'est vraiment le patelin du foot. Hein. Donc ils ont deux équipes à Belo Horizonte. Attention à la Croix-Rouge. Hein. Au niveau truc, on est bon. 5500 pieds. Donc on descendra. Le terrain est à 3000 pieds. Il est où le terrain?
Il est à 3000 pieds, on descendra à 4500 pieds, tout simplement. On est à 5005, donc pour faire nos évolutions et arriver en vente arrière, on se mettra en descente pour arriver en vente arrière à 4000 pieds. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit en début de vente arrière, c'est-à-dire ici. Oh, j'ai fait un loupé là. Qu'est-ce que j'ai coupé? Je sais pas. Ici là, à ce point ici, ce qui serait bien, c'est qu'on soit à 4000 pieds. Comme ça, hop, là on prépare, on réduit, on prépare tout de suite la machine. Donc, sortie du train, sortie des volets. Et puis on fait notre virage. Ou alors on prépare avant. Alors, on est pas mal, on est pas mal du tout. On est à 33 nautiques. Hein, ça s'affiche ici. On est dans la bonne direction, altitude correcte. On est descendu, donc pour le bien, faudrait refaire le réglage GT. Donc je coupe. Ouais, non. On est au pic là. Ouais. Ah mais c'est super chaud les gars, ils sont très près du sol, ils sont l'épandage aérien, d'ailleurs, après ils l'ont fait en hélico. Mais l'hélico, c'est tout aussi dangereux et beaucoup d'accidents d'hélicoptère. Ça n'empêche pas de se prendre un câble. Alors, on avait dit qu'en se rapprochant de Belo Horizonte, ça allait commencer à devenir un peu plus dense, hein, mais c'est le cas. Et en plus... Alors on avait dit que... On avait dit que quoi? Alors regardez un petit peu notre carte. On est sur la radiale 155. Donc ça fait 335. On est ici. Et si on veut descendre le long par exemple de cette route là, ce qui serait limite pas mal, c'est suivre la BR40 là. Si on arrive à un peu la voir, descendre ici comme ça, puis revenir là. Donc ça veut dire qu'à peu près à, mettons, 6 nautiques du Vore, on part plein sud. Donc on est à 26 nautiques là, oh, on a le temps. On a le temps, on va pouvoir admirer un peu le paysage. Donc là ça commence à être déjà un peu plus fini, les grandes plaines. Oh. Une grande ville. À 26 nautiques, est-ce que ça pourrait être... 6 nautiques... Ouais. C'était Lagoas. La BR40. Oui, c'est la BR40.
Donc je pense que, vu la pollution qu'il y a là, c'est Belo Horizonte. D'autant que je suis un peu... De quoi vous parlez là? Nautique. Notre route elle est là. Alors dans X-Plane, il a vite fait de rajouter quand il y a des tuiles qui sont les triangles qui forment le relief, ils sont pas contigus, il a très vite fait de faire des ponts. Hein. Là, la PR40 elle passe elle part par là hein. Pourtant on est à 17 nautiques. Est-ce que je serai encore ah oui normal, oui parce qu'il faut pas que je me base sur le jaune. Je suis en train de suivre, je suis au 335 là, on est actuellement, on est ici 14 nautiques Ouais, 16. Donc je continue sur ce cap-là. Je continue sur la... Où je suis la BR40. Est-ce qu'elle est facile à suivre tout le temps? Parce qu'après, si je me perds... là, le Belo Horizonte, il est là. Hein. Gilles, bonsoir, on est perdu où? On n'est pas perdu puisqu'on a repéré une route et on la suit. Non mais notre destination est là. Tout ça va être de trouver le terrain qui est là-dedans. Bon, la BR40 elle est là. Brasilia 42. Et après elle doit partir par là, je pense. On va descendre. On a dit qu'on descendait à 4000 pieds. Et salut Mano, merci pour le suivi. Salut à toi et bienvenue. Avec une Bugatti Veyron, on y serait déjà. C'est pas dit parce que si ça tombe, il y a beaucoup de circulation. Où elle est la BR40? Ah, elle est là, après elle va là-bas. Elle est là-bas.
4500 pieds, on a dit au départ. Hein. C'est quand on sera au sud qu'il faudra descendre à 4000 pieds. Il faudrait que je règle le QNH. Il avait dit combien, Gaillard? 3018, moi j'ai. Ouais, bah c'est pas mal. Hein. Salut Full Brutal, merci pour le suivi. Bienvenue à toi. Donc la BR-40 est là. Quand on sera 6 nautiques, bah on a 8 nautiques. Alors, toc 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 toc. On se souvient de ce qu'on veut faire. On suit la BR-40 au sud. On descend assez loin au sud. Et on rechoppe la radiale donc 192. Ça fait. Ça fait du 0,12 en fait. Quand on. Si on. Cap vers le nord, ça fait du 0,12. Donc, après la BR-40 elle va partir un peu c'est dense comme truc hein. On est censé descendre à 4500 pieds, on va prendre le cap 180. On recale le gyro. La BR-40 est là. Hein. Jolie petite montagne dans le coin là. On a 3 nautiques du Vor. Je pense que on doit être dans ce coin là. 3 nautiques 8 parce qu'après ça va se. On va se rééloigner. Ah quoique là. non il y a un piège. Hein. Attention à l'information DME. 4500 pieds. On redresse. Oh, il est où le terrain? Alors, quand je dis terrain, c'est pas les stades de foot que je cherche. Hein. Oh, il y a une rivière. Ça, c'est un bon point de repère, la rivière. Enfin, la rivière. Oh, on est bien au sud de la rivière, nous. Alors, il faut faire gaffe dans le tour de piste parce qu'il faut pas aller titiller. à mon avis, il faut rester dans ces montagnes-là. Hein. Le terrain, il est quelque part. Ah, ben. Il est là. C'est lui. Hein, c'est forcément lui. Parce que là, on est en train de. On est en train de venir ici. Donc, le petit terrain qu'on voit, c'est celui-là. L'autre, il est beaucoup plus grand. Il est au nord. Il doit être quelque part par là l'autre. Donc ça c'est notre terrain. Bon ben on est en train de passer travers piste. Donc ça c'est très très cool. Donc on va aller faire un tour par là. On va faire gaffe aux montagnes quand même parce que... on va peut-être descendre du tour un peu tôt.
Allez, on va virer. Attends, on est où par rapport au. Par rapport au terrain. Il était où? Vache. C'est bon, j'ai perdu le terrain. On va faire un grand virage là et on va venir rechoper notre radial. Donc ce qu'ils font intercepter, c'est la radiale 012. On a combien? 4300. J'avais dit 4005. Hein. Ils doivent se marrer les gens quand il y a les avions qui arrivent parce que... Ouais, je me rappelle que la piste elle est courte. Donc là, il faut intercepter cette radiale. Je me demande si elle est pas en train d'arriver la radiale. Ça bouge? Ouais, ça bouge. Faut virer un peu plus fort alors. En train de descendre. Oh, la BR-40. Alors, capot 012. On est sur la radiale. On n'est pas trop mal. On va réduire un peu. D'ailleurs, on va remettre... Il est où le terrain? Ah, il est là. Oh vache, ça va être court. Là, je devrais déjà virer. Oh là là. Pour aller en vente arrière. Mais j'étais un peu fort à gauche. Donc, c'est la piste 9 en service. On va se prendre un cap 270. Trop haut. On va le prendre à la... dès qu'il sera au 270, on va le prendre à la main. Allez, on le redresse. Allez, redresse-toi. Hop, 270. C'est bon. On le reprend en manuel. Il fait descendre sa vitesse. On est dans l'arc blanc. On sort le train, un cran de volée. On remet la patate. Et on passe en base. Alors normalement on affiche, on met les pompes, on dit, allez on met ça, asseyez-vous, et puis c'est bon. Hop. 4000 pieds, c'est pas mal, on y reste. Ce qui serait bien c'est de savoir où on est par rapport au terrain. Cap au nord, il est censé être .090 et où est le terrain?
Bon, bah, on a perdu le terrain. Vache. Et alors là, pour le voir. Bon, ben on est bon pour refaire un tour parce que. Ah non, il est là-bas. On était vraiment parti très très loin. Alors, on va remonter un peu parce que là on n'est pas du tout sur le plan. On n'oublie pas piste courte. Et en cas de remise de gaz, faut éviter le cimetière qui est un peu plus loin. Alors, hop. La piste est là-bas. Oh vache, qu'est-ce que c'est que cette. Attends, elle est. Elle est remontée. Ah vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, on ressort un deuxième cran de volée. La vitesse, c'est combien? 82, c'est pas mal. On sort tous les volets. Nœuds, il faut qu'on descende là. Ce qui serait bien aussi, c'est d'être dans l'axe. C'était vendu 100. Vérifier que tout est bien sorti. Ouais. Je suis trop haut. Enfin, j'ai l'impression d'être trop haut. Hop. On récupère l'axe. Ouh là là. On se remet dans l'axe. Encore un atterrissage kangourou. S'il y a une remise de gaz, c'est quoi ces immeubles en face? Ah vache! Elle est pas large la piste, hein. Y a pas la place pour les y a pas la place pour les hélices. On va les rouler où? La tour, elle est par où? Bon, elle est par ici. Elle est là-bas, la tour. Hein. Ah ouais, faut qu'on aille par là. Allez, hop. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit rien. On rentre les volets. On va pas regarder, on regardera pas le replay. Hein. Sauf si vous le demandez gentiment, parce que je suis pas sûr d'avoir été bien sur la piste. Hein. Alors normalement c'est un avion pour petit coucou. Hein. Ouais, on est vivant et l'avion est réutilisable, tout à fait. Christo et Gilles. Il faut pas le louper le taxi. Hein. Parce que là.
de ces quatre, j'y arriverai à faire. Je l'ai déjà bien atterri une fois. Alors, maintenant qu'on a atterri, on coupe les pompes, on coupe le pitot hit, on coupe. On allume la dynamite, on peut. Vous pouvez vous détacher, on peut couper le strobe, je suis en train de louper. On arrive un peu vite, on met un petit coup de frein. Là on est debout, hein, dans le, là on est debout dans le cockpit. Hein. Ah oui, c'est ce que je me disais, on a un peu mordu le terrain. Où est-ce qu'il y a assez de place pour qu'on aille garer notre machin? Attention à l'avion! Ça va toucher! Ah! Oh zut, pardon! Oh, c'était juste un petit bi-réacteur. De rien du tout. Tiens, on va aller se garer à côté des pompes. On va te rentrer un réservoir. Ouais, encore un poteau. Ouais, encore une pompe. Ouais. Oh. Oh ben on a 380 là-dessus, ça doit chauffer, ouais. Ben on va se regarder le replay, hein, allez. Comment on la réactive déjà? Basculer en mode replay. Donc là, à ce moment-là, on avait perdu le terrain. Oh, il est là-bas en fait. Ah non, il est là. Il faudrait qu'on avance un peu plus vite. Salut Wardus. Et salut à ceux qui seraient arrivés pendant le moment critique où j'ai pas trop regardé l'écran en fait. Hein. Alors ce que j'ai pas trop compris, c'était vent du 083, mais en fait il avait l'air de venir du sud, le vent, parce qu'il me poussait vers la gauche. Là j'ai pas trop compris le truc. Écarter un petit peu la vue. Là je l'ai empêché, j'ai voulu le recentrer l'avion et pouf, oh légèrement, oh c'est bon sur la ligne, oh c'est un très très bon atterrissage. Et non, puis le gars il arrive à corriger, en plus il se remet pile poil. Non mais fantastique pilote. Non, très très bon atterrissage, on peut féliciter le pilote. Très 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 bon atterrissage. Là, je vais me prendre un petit thé pour la peine pour me féliciter. J'aime bien le bruit des freins. Vous les avez entendus ? Ouais, c'était pas. Ça valait pas un 10 sur 10, mais c'était pas mal quand même. Je croyais que j'avais mis franchement la roue en dehors de la piste, là sur le bord comme ça. Le bord est un peu stabilisé. Hein. Puis ça c'est des avions costauds quoi. Bon. Voilà, donc on va tout couper.
la radio, l'inverteur. On coupe tout sauf le beacon. Là, c'est tout bon. Hop. Plus d'essence. Voilà. Plus de nourriture. Il s'arrête. Brave petit. On peut remettre. Tac tac. On coupe les générateurs et on coupe la batterie. Pof. La piste, elle était pas bien large. Je pense que on était quand même limite pour utiliser ce terrain. Je pense que pour l'autre départ, on va encore se manger un poteau, je pense. Mais on verra bien ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vol vers Rio de Janeiro. Donc le vol sera pas plus court, mais on fera un petit peu de tourisme autour de la baie et tout, on fera un grand tour. Et on ira se poser... On ira se poser à Santos Dumont. La piste 4300, là c'est une piste de 3000, elle est un chouille plus longue. Pas beaucoup plus, mais un chouille plus longue. Donc il y a surtout, si on se loupe, il y a la flotte quoi, c'est quand même plus tranquillisant. Donc avant d'arriver, je pense qu'on fera un tour de toute la baie, on va se faire plaisir. Un poteau, un potal et une citerne, ouais. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour du X-Plain à vendredi à 15h. Normalement il n'y a pas de souci. Il faudrait que je regarde avec les dates en fait, parce que... Non c'est bon, 18. Et dans 15 jours il y a un truc un peu spécial. On fera une pause dans notre tour du monde en DC3. On se fera un petit défi un peu spécial. Et à ce sujet je fais un peu de pub. Parce que... Alors, j'arrive pas à réactiver le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Mika a offert un abonnement à Boone. Eh ben merci Mika. Un gros bisou. Et salut le Bouboun. Mais t'étais déjà là tout à l'heure Bouboun. Ou là il est en train de... Il a goûté tout à l'heure et là il est en train de roupiller le Bouboun. C'est un malin ce Bouboun là. Merci pour lui. Donc oui, j'étais en train de dire, on se fait un petit défi, un petit truc un peu spécial, et je voudrais que ça soit un vol assez réaliste. Donc j'ai besoin de voix pour faire le contrôle aérien. Ah, y a pas de, c'est des voix qui seront enregistrées, que je diffuserai, que j'utiliserai au moment du vol. Donc il n'y a pas de connaissances particulières à avoir, hein. Il suffit d'avoir juste une bonne diction, enfin d'être compréhensible à l'enregistrement. Et j'ai besoin de quelques voix. Donc ça se passe sur le Discord. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est dans le salon Zavion où ont accès les soutiens et les gens qui ont fait une petite présentation. Et donc ça aura lieu dans 15 jours. Si j'arrive à m'entraîner un petit peu, parce que c'est un petit truc assez chaud, vous verrez, c'est rigolo. Et je vous donnerai toutes les billes pour ceux qui font de la simulation de vol. Pardon. Et je vous donnerai toutes les billes pour pouvoir le faire vous-même. Donc voilà. On se retrouve demain samedi 17h. Ça sera pour du Minecraft à travers les siècles. Et puis le week-end est lundi à 20h45. Dans ces eaux-là. À partir de 20h45. Ça sera aussi du Minecraft à travers les siècles. On est reparti un petit peu en mode Minecraft à travers les siècles, le serveur redémarre, donc on en fait beaucoup, on verra après combien on a retrouvé un rythme un peu plus normal peut-être, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, sinon il y a le programme en dessous, il est aussi sur le Discord, patatou tatata, ouais J1, toi t'es au courant alors.
Donc je fais des gros bisous au modérateur, à J1 aussi, hein, qui nous fait pas mal de choses sympathiques. Bisous aussi aux donateurs. Et puis à vous les spectateurs. Donc je vous laisse, je vous mets le générique, un petit peu de pub, et puis on se retrouve plus tard. No problemo. Au revoir.